Bonjour à tous, je vous retrouve avec un nouveau tuto aujourd'hui avec des outils que la fée du scrap a sortis pour faire des nœuds parfaits. Vous voyez, il y a trois tailles différentes. Alors, la plus petite taille, il vous faudra un morceau de ruban de 20 cm, donc vous voyez à peu près comme là. Alors, je vous montre un petit peu en image. Donc, vous laissez à peu près, avec ma main droite, vous voyez, j'ai laissé à peu près 2 cm. Je fais le tour et je passe l'extrémité du ruban au milieu, sous les deux autres bouts. D'accord ? Pour faire une sorte de boucle. Et ensuite, je remonte, vous allez voir là, le ruban au milieu, je passe entre les dents. Celle du milieu, en fait, toujours. Et là, c'est le plus compliqué, on va dire, hein. Il n'y a rien de très compliqué ici. Vous allez passer l'extrémité du ruban sous la boucle pour qu'elle ressorte en haut. On verra. Je vais vous le refaire après, vous verrez, on verra mieux. Voilà, là, vous tirez, vous serrez fort. Voilà, vous serrez, vous serrez. Hop. Voilà, le verso. Et là, vous n'avez plus qu'à enlever votre ruban et vous avez un nœud parfait de réaliser. Donc, pour le plus petit, pour les petits rubans, à peu près 1 cm hein, de large, c'est nickel. Et là, je vais vous montrer avec un ruban large. Et vous allez voir, ça fait super beau. Donc, il vous faut 40 cm de ruban. Donc, vous laissez 2 cm de côté, vous enroulez autour. L'autre extrémité, donc là, il est plus long, hein, mon ruban. Il fait plus de 40 cm, c'est que je ne voulais pas le couper. Vous passez l'autre extrémité au milieu en dessous, ça c'est important. Vous ressortez de l'autre côté et vous passez le même morceau toujours dans au milieu toujours, la ligne du milieu. Voilà, voyez le nœud qui se profile là, super joli. Vérifiez que ce soit pas vrillé derrière, sinon vous réajustez. Et là, voyez, vous allez passer toujours le même bout de votre ruban sous la boucle. Voilà, elle ressort en haut. Et là, vous serrez. Donc, c'est un ruban qui a tendance à glisser. Donc, serrez fort. Hein. Voyez, vous serrez, vous serrez. Et voilà. J'adore, je trouve que ça fait super joli. Voilà, une fois que vous avez bien serré, vous n'avez plus qu'à ôter. Voilà, et vous avez votre nœud parfait. Donc, ça marche avec tout style de ruban. Ça marche aussi avec, voilà, j'ai essayé un peu avec de la dentelle. Donc, ça, c'est le gabarit du milieu où il vous faut 30 cm de dentelle. La ficelle, ça marche également. Vous voyez, je vous ai mis une petite étiquette avec la longueur de ruban qu'il vous faut en bas. Voilà pour ce petit tuto. Mais écoutez, à bientôt et bonne journée. Au revoir.